Bonjour la team 2.0 et bienvenue sur Minecraft, mais l'agriculture est cheatée. Alors aujourd'hui on va pas se cacher que tout ce qui est useless sur Minecraft, je l'ai rendu complètement cheaté. Les vaches drop du stuff P4, le blé drop des pommes de notch. Enfin toutes ces choses là, vous connaissez les bails, vous connaissez mes plugins, vous savez que ça va être what the fuck, vous savez qu'on va bien rigoler. Bref, du coup, sur ces bonnes paroles, il est temps de créer les bases de cette survie. Voilà, nickel, je pense que les bases sont plutôt bonnes. On a un petit village juste à côté, laissez-moi vous montrer comment fonctionne le petit plugin. Alors, regardez ça, juste ici on a un petit champ, et normalement, eh bien quand je vais faire ceci... Il y a des trucs cheatés qui peuvent sortir du sol ou des creepers. Voilà, et là malheureusement, eh bien on a eu un petit peu de creepers avec la pomme dorée. La pomme de notch, excusez-moi. Voilà. Hop, on va s'armurer. Et il faut savoir aussi que tout simplement, plus la plante est développée, plus on a de chances de dropper un truc cheaté. Et plus la plante est nulle, plus j'ai des chances de faire spawner ces satanés creepers et de mourir par la même occasion. Mais bref, écoutez, on n'est pas là pour parler de creepers. On est là pour commencer les choses sérieuses. Alors pour commencer les choses sérieuses, première chose qu'on va faire, c'est se faire une petite houe. Voilà, nickel. Comme ceci, comme ça, on récupère beaucoup plus vite le fouing. Et ça, ça fait plaisir. Plus on a de fouing, plus on peut manger. Et plus on peut manger, plus mon régime tombe à l'eau. Et ça, c'est quand même assez triste. Mais bref, on n'est pas là pour parler de régime, mesdames et messieurs. On est là pour déglinguer du golem. Et vous êtes là aussi pour mettre un petit like à la vidéo et à vous abonner et activer les cloches des notifications. Parce que sinon, le Johnny va être triste. Bien évidemment. Et toi, tu crèves, le golem. Please, le golem a réussi à casser ma hache. Ça n'a aucun sens. Bon, au moins, chose positive, c'est que maintenant, je peux faire tout simplement une hache en fer. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors... Hola, qu'est-ce? Est-ce qu'on a quelque chose ici? J'ai l'impression que non. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas de la bouffe un petit peu? J'ai envie de dire si, bien sûr que si. Voilà, nickel. Et le reste, je pense que je vais le garder tout simplement pour pouvoir faire de la reproduction de vaches. Allez, hop, donne un truc. Oh, holy shit, regardez ça. Potion de Strong 3 pendant 8 minutes avec une nouvelle pomme de notch. Que demande le peuple? Je sais pas, mais si le peuple pouvait juger, il voudrait ça. Bref, on continue le déglingage. Et malheureusement, on n'a rien eu. Bon, écoutez, dans la vie, de temps en temps, on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Et là, pour le moment, eh bien, j'ai pas ce que je veux. Mais écoutez, les choses vont changer. Là, ce que je vais me faire, là, maintenant, tout de suite, c'est un petit stuff, mine de rien, en pierre. Parce que bon, on le peut. Donc, écoutez, je le fais. Et il faut que je vous montre quelque chose qui est très, très triste. Regardez ça. Sur ce plugin, l'intégralité des minerais ont disparu. Ouais. Vous allez me dire, Johnny, pourquoi t'as fait ça? Je me suis dit, oh, ça va rendre le jeu un petit peu plus compliqué. Bref, maintenant que vous êtes au courant que le Johnny a des petites tendances un petit peu masochistes, il est temps, eh bien, tout simplement de partir pour pouvoir commencer l'élevage ou bien partir dans le nether pour farmer l'agriculture en tabarnak, mon ami. Viens ici, toi, petit lapin. Voilà, nickel, ça dégage. Regardez-moi les petites bêtes qu'on a ici. Kiki, venez ici. Jacqueline, voilà, fais un bébé. Voilà, nickel. Dès que les jacottes, elles vont se reproduire, ça va donner une petite vache. Et la petite vache, eh bien, elle m'a droppé du fer. Ça fait plaisir. Très, très plaisir, même. Bon, par contre, vous crevez... Oh, non, 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 non. Oh, non. Mais Jacqueline, c'était pas comme ça que ça devait se passer, ok? Je vous aimais, les filles. Mais elles sont mortes. Les choses qui arrivent. Mais bon, au moins, les vaches m'ont droppé un petit peu de charbon. Et elles m'ont surtout droppé de la bouffe, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai du fer. Écoutez, on va en profiter, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire avec du fer? Mais je vais vous le dire dans un instant, ce qu'on va faire. Ils sont foufous, ceux-là. Allez, avec le fer, première chose que je vais faire, eh bien, c'est tout simplement que je vais me faire un saut. Comme ça, on va pouvoir aller dans le nether, eh bien, tout simplement avec ce petit saut très, très rapidement. La source d'eau ramène. Les jacottes, venez ici, faites des bébés. Voilà, nickel. Et toi, tu meurs. Hop. Et hop, oh là là, le jams. Oh frérot, le jams qui régale. Oh, c'est bon ça. Oh, oh, on s'y attendait pas. Oh, le diamant qui régale. Le diamant régaleur de ces dames. Ça, c'est bon ça. Ça, c'est bon. Alors du coup, je viens de voir ça, mais on peut se faire une pioche en fer. Donc écoutez, la pioche en fer ramène. Voilà, fabuleux.
Et par contre, j'étais beaucoup trop en confiance là. J'étais en mode balestec, des mobs. Mais en fait, j'ai absolument pas d'armure là. J'ai le zigugui qui traîne au sol. Non. On va partir très très loin. On va tenter de faire de l'élevage, de trouver un nouveau village. Parce que sinon, ça va être la muerte un petit peu. Oui, mon ami. A few moments later. Eh ben voilà, enfin quelque chose d'intéressant. C'est pas trop tôt. Oh, on a même deux trucs intéressants. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon, mon ami. Allez. Toi, ouvre-toi. Voilà, allez, hop, pomme dorée, ça fait plaisir, c'est pas la chose du monde, là, mais c'est pas mal. Le livre, on s'en fout, ça, on s'en fout, et ça, on s'en fout. Voilà, fabuleux, est-ce que je suis heureux? J'ai envie de dire, pas du tout, j'ai perdu mon temps. Wouhou! Oh la vache, hey, c'est Walking Dead, frérot, ici. Oh, c'est chaud de ouf. Wouhou, comment c'est chaud. La vérité, je speed, mais comme un malade, je prends un lit et on passe la nuit. Adios, Mutsatsos. Allez, donne le lit. Voilà, nickel. C'est vraiment gentil de me l'avoir offert. Tu me l'as vraiment pas donné sous la contrainte, ça fait plaisir. Allez, du coup, moi je vais me faire une petite pomme dorée. Oh. Et à la place, je me suis fait des creepers. Oh. Mais wesh, les frérots, arrêtez, c'est pas gentil du tout. Oh. Je vous avais dit. Je savais, je vous avais dit en plus, je vous avais dit. Il faut absolument pas péter les cultures qui ne sont pas à maturité sur ce plugin. Sinon, c'est la muerte. Sinon, il y a tout le monde qui vous tue. Mais moi, je suis un thug. Bon, alors, du coup, on va faire un micro-point sur la situation. Il va falloir que je m'installe maintenant. Il va falloir que je fasse de l'élevage si je veux espérer être stuffé un jour. Du coup, chose qu'on va se faire là, maintenant, tout de suite. Déjà, c'est qu'on va déglinguer le golem parce qu'il va me donner 5 de fer. Et... ensuite, on va aller faire un petit tour dans le nether. T'inquiète frérot, ça va bien se passer. C'est Johnny, il s'occupe de tout. Voilà, 5 de fer. Fabuleux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 de fer? J'ai envie de vous dire, j'en sais rien. Et regardez ça, on a une petite épave marine ici. Celle-là, elle est cadeau, elle fait plaisir. C'est Johnny qui régale, on va y aller. Voilà, allez, hop. Oh là là, mais regarde ça frérot. Oh, c'est ouf. Allez, ciao. Oh non, crève pas Johnny. Voilà, nickel, c'est ce qui était prévu au programme, de pas crever. Donc comme ça, on est bon. Allez, du coup, on en profite pour s'armurer de la tête aux crottes de Ney. Ça fait plaisir, hop. Voilà. Paca. Et du coup, bah le diamant, on va le garder, on sait jamais. Peut-être qu'on peut trouver un nouveau diamant, qui sait, un animal peut m'en donner un. Donc écoutez, on va attendre. Et moi, de mon côté, eh ben, je vais descendre dans les profondeurs de l'enfer. Et on va se faire un portail. Mais avant ça, il faut juste que je récupère ceci. 3 hours later. Oh là là, regardez comme c'est beau. Oh là là, et ça, c'est encore plus beau, ça. Oh oh oh. Petit spawner, mon ami. Petit spawner de type vraiment spawner. Voilà, ça, ça dégage. Et maintenant, ça aussi, ça dégage. Voilà, nickel. Allez, donne-moi un truc. Ouais, il n'y a rien du tout. Génial. Allez, du coup, on est parti. Moi, je vais me faire le portail en technique speedrunner. Hop. Bah, écoutez, ici, c'est parfait. Voilà. Allez, c'est parti. Et hop, let's go dans le désert, maintenant. Oh là 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 là, mais regardez ça. Mais est-ce qu'on n'a pas trouvé le biome parfait pour pouvoir se mettre très très bien dans cette aventure? J'ai envie de vous dire, bien sûr que si, malade que tu es. Holy shit, comme c'est beau, ça. One eternity later. Alors, mesdames et messieurs, on est vraiment pas mal de temps plus tard. Je me fais une dernière petite récolte ici. Voilà, et je vous montre un petit truc, une petite surprise, juste derrière. Et je suis sûr que vous allez être fiers de moi. Titine, Mietti, les petites pipis, venez. Voilà, nickel. Allez, dernière petite reproduction, et après on déglingue tout. Voilà, fête des bébés. Voilà, bien sûr, mesdames. Oui, c'est vrai. Hop, ça m'a droppé quelque chose comme 2 d'iron. Ok, pas mal. Je vais pouvoir terminer mon stuff. Et en fait, vous savez quoi? Je suis en train de réfléchir parce que oui, ça m'arrive. Et en fait, je vais plutôt attendre pour me faire une enclume. Et les Jacqueline... Oh non. Holy shit, what the fuck. Qu'est-ce qui vient d'arriver, là? Oh la vache. Oh, c'est la meilleure chose du monde. Bonjour. Comment se fait-ce? Qu'est-ce que c'est? What the fuck? Bah si j'avais su, j'aurais fait péter tout beaucoup plus tôt, hein. Oh oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce beans, là? Oh. What the fuck? Bonjour. Bah écoutez, on va faire les courses, hein. Allez, petit arc power 10, qui fait bien bien plaisir. On a un protection 4, un looting 3, frérot. Oh, c'est beau, ça. Allez, donne. Encore.
On a un sharpness 5. Holy shit. Un power 10 encore. Ok, ouais, on s'en fout un petit peu. On a à nouveau un sharpness 5. On s'en fout. On a un looting 3. On s'en fout. Protection 4, on prend. Qu'est-ce que c'est que ça? Sharpness 5, on s'en fout. Power 10, on s'en fout. Protection 4, on prend. Power 10, on s'en fout. Et le saut, on garde. Voilà, bah écoutez, on est stuffé, hein. Il va juste falloir que je fasse un petit peu de fer, que je termine mon stuff. Mais sinon, j'ai envie de dire, on est bon. On peut partir dans le vrai nether cette fois-ci. Et on va pouvoir faire des vrais bails, là, maintenant, tout de suite. 2000 years later. Alors, mesdames et messieurs, je viens de me la crafter. Elle est ici, sous vos yeux ébahis. Je suis vraiment très très content de ce qui vient d'arriver là. On a enfin, enfin, cette petite chose qui va me permettre de faire ceci, mesdames et messieurs. Regardez ça. Regardez ça comme ça va être beau. Paka. Oh la vache, c'est beau ça. Et on va même se faire des petites bottes. Voilà, nickel. Du coup, chose qu'on peut faire, c'est faire ceci. Sharpness 5. Oh, holy shit. Oh non. Non, bah non, bah non, bah non. Comment on va faire? Oh non, il faut combien d'XP là? 7 tu coûtes, frérot? Oh là là, mais tu coûtes tellement cher! Oh, bah attends, 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 moi je vais t'apprendre, moi, à coûter si cher. Oh! Hi, c'était pas prévu comme ça! Enfin, enfin, enfin! Oh là là, hey, j'ai vraiment un grand truc à vous montrer, mesdames et messieurs. Déjà, petit 1, alors je suis en train de me faire une réserve de stuff en tabarnak, là, regardez ça. Hop, on a déjà 9 flèches dans l'inventaire. Et petit 2, je suis full P4, sauf les bottes. Et grande nouvelle, j'ai envie de vous dire, maintenant les bottes, je peux me les faire. Nous sommes officiellement full P4. Et en fait, j'ai envie de vous dire, énorme fail, parce que le livre est looting 3, au lieu d'être tout simplement protection 4. Est-ce que je pleure? J'ai envie de dire très très fort, bien sûr que oui. Est-ce qu'il y a une toute petite chance que j'ai un protection 4 qui traîne dans le trou à creeper là-bas? J'espère bien, parce que sinon on va pleurer très très fort. Non, tout a des pops, fabuleux, fabuleux. Bah, on a encore eu un spawn digne de ma chance légendaire. J'espère que le biome va pas être trop pourri, hein, parce que bon, les... Oh, oh, j'étais déjà en train de me plaindre, mais non. Mais c'est génial comme spawn. Allez, tu crèves, voilà, nickel. Donne les enderpearls, on est déjà à 2. Je sens que ça va être du gâteau. Je sens que ça va être du gâteau. 3 hours later. Oh la vache. Oh frérot, c'est quoi cette chance? Oh, c'est un truc de ouf! Oh, comment je kiffe! Oh, je vis ma meilleure vie là! Oh, 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 et encore plus là maintenant! Oh ouais! Oh ouais, viens ici! Donne tout de suite! Oui, monsieur! Bon, par contre, les gars, à un moment, descendez, hein, vous êtes des gamins un peu. Voilà, nickel. Allez, un petit dernier pour la route, juste pour se faire plaisir. Voilà, et puis, bah, j'ai envie de dire, on peut partir dans l'end hein, maintenant. Tranquille ou bilou, voilà, on est bien. Bon, on va peut-être pas en prendre 12. Oh, vous savez quoi? Allez, c'est parti. Comme ça, on est bien, comme ça, on est safe. Et j'ai envie de dire, Ender Dragon, à nous deux, mon pote, je vais te déglinguer. Par contre, juste avant, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une petite récolte de pommes de notch. Voilà, monsieur. Allez, c'est parti. Oh, oh, oh. Hop, on spawn de notch. Et maintenant, je me casse dans l'end. Oui, monsieur, c'est par où? Voilà, c'est par là. Allez, donne, pète pas, voilà, nickel. Allez, c'est parti pour mon moment préféré. Le moment où je fais 3000 blocs à pattes sans rien faire. Eh ben, j'ai envie de dire, pour une fois, j'ai pas eu de mal à le trouver. Il était à 200 blocs du village. Mesdames et messieurs, j'ai entendu des... Eh ben voilà, je vous disais que j'avais entendu des... Eh, j'étais juste ici. Bien sûr, saleté de... Je vais te montrer, moi, qui c'est le patron des... Allez, crève. Bon. Allez, l'en voilà. Allez, l'en voilà. Et normalement, le v'là terminé. Ouh. Eh ben, ça a été longué pour un seul et même dragon. Mais j'ai envie de vous dire, écoutez, pour ma part, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. C'est le cas. Déglinguez-moi la cette barre de like. N'oubliez pas de vous abonner. C'était John. N'oubliez pas que je vous kiffe. Peace.